à toutes et à tous, c'est Mac Maboul et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une carte micro SD pour Samsung Galaxy S4 ou autres téléphones compatibles avec les cartes micro SD. Cette carte micro SD a une capacité de 32 Go avec une vitesse de lecture et d'écriture de 20 Mbps par seconde. Elle est d'une classe 10, les classes c'est pour classifier la puissance des cartes et c'est une carte micro SD HC. Je déballe rapidement la carte et je vous montre comment on l'installe sur votre téléphone. Me revoilà, j'ai donc fini le déballage. Vous avez donc deux objets, un tout petit qui est la carte micro SD et un objet un peu plus grand qui est l'adaptateur avec lequel vous allez pouvoir insérer votre carte micro SD sur votre ordinateur. Donc vous voyez comment ça se passe. On va insérer la carte micro SD dans l'adaptateur et ensuite on insère l'adaptateur dans l'ordinateur. Je vous montre maintenant comment on va insérer la carte micro SD dans votre téléphone. Donc je prends mon Galaxy S4, j'ouvre la coque arrière. C'est très simple, on prend la carte micro SD. Il y a donc bien évidemment un emplacement pour la carte micro SD. Il suffit d'appuyer légèrement jusqu'à entendre un petit clic. Donc c'est exactement de la même manière de laquelle on insère une carte SIM, mais ici c'est une carte micro SD. Donc voilà, je vous montre encore une fois. Donc vous avez bien vu comment il suffit d'appuyer légèrement pour la faire entrer. On referme la coque arrière et le tour est joué. J'allume le Galaxy S4 pour bien vous montrer que la carte micro SD a bien été reconnue par mon téléphone. Une fois que mon Galaxy S4 a démarré, on va aller dans les paramètres, dans l'onglet stockage, et je vais bien vous montrer que la carte micro SD a bien été reconnue et que tout l'espace de stockage disponible est bien réellement disponible. Donc vous voyez que l'espace total, il est de 29, je ne sais combien de gigas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous vous posez la question sur l'utilité d'une carte micro SD, je peux vous dire que c'est super utile sur un Galaxy S4, car sur un Galaxy S4 d'une capacité de 16 Go, théoriquement, en réalité, vous n'avez que 10 Go de disponible. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut !